Donc, je suis quand même très content de faire ça à la finale, parce que si je ne suis pas de l'Aubrac, c'est quand même l'Aubrac qui m'a sauté au cœur quand j'étais tout petit, à l'âge de 10 ans, au Royal Aubrac, et j'ai gardé évidemment, notamment pour les Hurons, une sorte de fascination. Je vais vous lire trois extraits. Le premier, c'est donc une manière de rentrer dans le bouquin. Il n'y a rien, évidemment, qui va déflorer l'histoire profondément, parce que ça n'aurait pas d'intérêt, ni pour moi, ni pour vous, les lecteurs. Voilà, donc on va commencer par situer Tintin. Alors, il s'appelle Tintin, aucun rapport avec le personnage d'Hergé. Et son vrai nom, c'est Alain Bessière, donc alias Tintin, arriva le dernier dans une fratrie déjà forte de 4 rejetons. La fatalité voulut que ce soit 5 mâles qui viennent au monde, 5 bouches à nourrir, dans une ferme où l'ouvrage et le rapport resteraient bien insuffisants pour occuper et faire vivre à terme tout ce monde. Meilleur en moussou, voilà un mot qui ne prenait de sens que lorsqu'on comparait la saucisse sèche de l'année avec celle de la précédente. Au pays, on s'en moquait un peu des vestiaires, parce qu'ils étaient tous de petite taille. Le père Baptistin ne franchissait pas 1m60, contrairement à Mathilde, qui l'atteignait péniblement. Pas de géant chez les enfants non plus. Alain se hissait au 1m68, comme Pierre l'aimait. L'expression plus large et beau était ici parfaitement consacrée, s'agissant d'hommes toutefois dotés d'une force remarquable, d'autant que leur centre de gravité très bas se révélait un appréciable atout dans ce combat permanent avec la terre et ses éléments. L'hiver n'en avait pas fini avec le pays, et ce matin, l'Aubrac grelottait. Tout était blanc de givre alentour, et les arbres figés dans leurs habits de glace peinaient à bourdonner. La brume tenace enrobait le pays comme pour le dissimuler. C'était aussi ce voile oscillant entre toutes les nuances de blancheur qui posait sur l'Aubrac à l'automne et au printemps un surcroît de mystère. Vers quelle destinée le guidait-il à l'instant, ce père au regard diffus et à la tendresse parcimonieuse? Dans son dos, l'enfant qui cessait de l'être au même instant devinait plus distinctement que toute autre chose une maman versant de chaudes larmes et se désespérant d'une telle rupture avec son garçon d'à peine plus de 12 ans. Elle tendit encore une main qu'elle semblait vouloir étirer jusqu'à la destination de son petit pour encore le caresser, le protéger, l'aimer. Délicatement, comme seule une mère peut aimer. Un brin de conscience saisit au même instant Alain, prenant enfin le dessus sur l'ingrate indifférence. Comme rarement, tant l'existence est rude et désincarnée, il sentait son cœur, encore fragile et en désordre, se serrer et produire cet effet oppressant de submergeant d'émotions. Lorsque l'équipage arriva au point de rendez-vous, on n'échangea pas plus de 3 phrases. « Ben voilà, je vous le confie. » « Ne t'inquiète pas, Baptistin, on en prendra soin de ton Tintin. »« Tu viendras nous voir dans quelque temps, hein, Alain ?» dit le père comme surpris à son tour par un élan de quelque chose. « Pas d'amour véritable ni de tristesse, mais tiens, peut-être de ce qui s'apparente à de la culpabilité. » Alphonse n'en a que faire. Il n'a jamais eu d'enfant. Jamais pu ? Non, sûrement jamais voulu. À quoi ça sert ? Ça coûte, et tout ce que ça rapporte, c'est des emmerdements avec lui. Coutume de répondre à ceux qui s'étonnaient de cette absence. Et puis, pour en avoir, faut une femme. Et figurez-vous que ça aussi, ça coûte et ça rapporte que des emmerdements. Sur l'Aubrac et dans son secteur de Trégansac, il se disait même qu'il ne fréquentait pas. Mais en revanche, il lui arrivait de disparaître quelques jours, parfois plus longtemps, peut-être pour faire ses affaires à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Voilà, donc là, c'était Alphonse, c'est le buronnier. Alors c'est toi notre nouveau renfort de Grandbourg. C'est un beau village, tu sais, peut-être le plus beau de l'Aubrac, et à mon cœur, le plus beau du monde. Mais c'est dur à faire passer, car c'est le Cantal. Et en Aveyron, surtout, en Lozère aussi, ils sont plus nombreux et ils ont tendance à vouloir s'approprier le plateau. Mais qu'importe, et bienvenue chez les Lumières, mon fils. Tu es recommandé par le cousin Léonce, c'est tout comme si c'était moi qui t'avais choisi. Il ne se trompe jamais, Léonce. C'est qu'il a du flair,
Ici, nous, les Aveyronnais, les Cantaloupes, les Lozériennes, faisons tout ensemble. En moins d'un siècle, en se donnant du mal à se faufiler dans les caves noires où personne ne voulait mettre les pieds, en livrant du bois et du charbon par n'importe quelle abomination météorologique, en nouant des contacts et des amitiés, en flairant des bonnes drailles, comme on dit chez nous, nous avons fini par maîtriser le commerce du chauffage et de la boisson, et bientôt, écoute ça, bientôt, nous serons les maîtres de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, Denis, je t'ai imposé un peu la lecture de... T'as eu le début, quand même. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une vie... C'est pas difficile, de nos jours. Maintenant, c'est pas comme autrefois, c'est pas comme quand j'ai commencé, que j'avais 9 ans. Hein. Maintenant, les bureaux, les gens, il y a tout, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'accès avec les voitures jusqu'à la porte du bureau. Pas au lieu de faire 5 km à pied dans les montagnes avec le champ pour aller faire la vendeuse. Maintenant, c'est... Mais tu as un peu la nostalgie quand même de l'époque où il fallait faire 5 bornes à pied. Et, oui, oui. Et bien, parce que, voilà. Quel est l'intérêt d'aller dans un bureau, dans une montagne et d'y arriver en voiture, quoi. Je ne sais pas, mais quand on était jeune, ça nous aurait avantagé. Quand on allait au bar, il fallait prendre les souliers dans la musette, les bottes aux pieds, arriver à la route, on se changeait, on partait à la voiture. Mm-hmm. Quand on rentrait le matin, à 2h du matin, c'était l'inverse. Avec la voiture, on partait à pied avec les bottes. Et pas plutôt arriver au bureau, on se changeait, et on n'était même pas entre le bureau, quand l'imbécile. Et le fusil, se réveille, moi. Et alors, toi, tu l'as vu, cette évolution, ça a été quand même assez rapide. En 20-30 ans, les bureaux ont commencé à fermer. Et tu pensais quand même que quand tu étais jeune, toi, tu te disais un jour ça disparaîtra, ça, ou tu n'avais pas vu venir? Non, parce que j'aimais bien ça. Je ne pensais pas que ça disparaîtrait. Je pensais que ça allait être. Habitué. Eh bien, quand j'ai commencé à faire le roule en 9 ans, c'était en 56, c'était plus gros que la table. Mais parce que, comment ça s'est passé? En 56, il y avait la guerre d'Algérie. Tous les hommes valides sont partis à la guerre. Il ne restait plus que des anciens et des gamins dans les bureaux. Alors là, cet été-là, j'ai trimé. Hein. C'est le seul endroit où, la salle d'été, où, en montagne, où j'ai pleuré. Hein. Je n'arrivais pas à ramasser les vols, soit. Et interdiction de prendre le chien, parce que si le chien envoyait des vaches venaient, et si ça se ménageait. C'était la foire. Ah oui, ça faisait une école de plus, oui. Ouais. Mais après, quand je suis reparti à la montagne, après je climate, là, c'était le top. On avait la lumière, on avait la télé, on avait la machine pour laver des toiles, la gazinière, le chauffe-eau électrique, le rasoir électrique. Et ça, c'était dans les années quoi, 80 70. 70, d'accord. 69, 70, 71, 72. Et là encore, il y avait 65 bureaux en activité, je crois pas. Cette époque-là. Ouais. Ça fait 50 ans. Et après, quand j'étais revenu à Caméjean avec Baptiste, là, mm-hmm. Les bureaux, il n'y en avait plus que 6-7. Il n'y avait plus que 7 en activité. C'était comme ça. Et alors, donc, moi, Jeannot Thomas me disait à l'époque, il a fait roule, mais il en a bavé. Lui, il était maltraité. Il avait un mauvais cantalès. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait quelle proportion de... Ils étaient connus, j'imagine. Oui, mais j'avais du mal à recruter aussi. Oui. Il y a des cantalistes que pendant une décennie, ils ont eu les mêmes employés, à part quand ils venaient un peu plus âgés, qui partaient à l'armée ou qui montaient à Paris faire le charbon. Mais il y en a qui n'ont pas de souci pour trouver du personnel. Il y en a d'autres que, jusqu'à la veille 25 000, ils n'étaient pas sûrs d'avoir l'équipe complète. Hein. Ah oui, j'étais... Parce que c'est un peu comme sur un bateau, là. C'est pas tous 5, et donc il faut se supporter. Et donc, toi, t'as jamais été confronté à des étés, des montagnes désagréables ou... Non, j'ai fait que deux montagnes. Moi, j'ai fait à Camblat quand j'étais roule, ouais. C'était juste un été. Ouais. Et puis, j'ai fait tout le reste à Piscrema, ou à Caméjean. Ah, ouais. Déjà, à Caméjean, on faisait la traite une fois par jour. C'est déjà bien. Thank you.
Les budgets à l'âme, on a commencé à plus bas que le On dit que je suis japonaise, comme ma mienne près de moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement, je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher, chaler à ce refrain, je suis à tes côtés. J'ai laissé mon carnet près de la vieille grande école, où la cloche ne sonne plus, mais les petits carreaux, les feuillets qui s'envolent, sont remplis de messages qu'à présent tu connais. J'ai laissé mon bonheur près de mon vieux chalet, qui m'attendra toujours. J'y laisse aussi mon cœur, pensant qu'un peu chaque jour, une fleur du printemps y mettra un grain d'amour. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher, chaler à ce refrain, je suis à tes côtés. Et si la vie moderne venait à me blesser, chalet, ton toit de rose saurait me protéger. Bravo! Vieille terre déchirée, vieille terre de France, qu'il soit gris, qu'il soit bleu, ton ciel semble si bas, qu'il écrase un peu plus l'homme de sa présence, et fait douter de lui celui qui ne croit pas. L'aubra, l'aubra, écarte les devants qui semblent tes bruyères, lance sans déchirer, cœur et âme à la fois. L'oiseau gifle le ciel, la pluie gifle la terre, les cloches des troupeaux sonnent mille dollars. L'aubra, l'aubra, les hommes que l'on trouve le calme des lacs, et tout l'entêtement des peuples d'autrefois, de ceux qui ont bâti Nalbinage ou Chirac, les églises romanes et les pierres des croix. Dora, Dora, les hommes que l'on trouve en l'âme solitaire, le cœur généreux, ce cœur ne ment pas, pas à pas, siècle à siècle, ils ont glané la pierre, pour faire à leur troupeau des pâtures de roi. Dora, Dora. Et voici des chemins menant à Compostelle, à toute heure du jour, toute heure de la nuit, les cloches vont battant sonnant leur appel, à tous les pèlerins, leur domino d'ici. Dora, Dora. Si tes filles ont prêté leur visage m'adore, si qu'elles ont dans leurs yeux tant de fidélité, qu'elles soient pour la vie la compagne de nom, la lampe dans la nuit dont on ne peut douter. L'aubra, l'aubra. Pour te chanter, il faut l'accord en harmonium, dans une vieille église environnée d'oiseaux, avec la cabrette, la bière qui sonne, et ton chant qui s'élève, bière qui s'élève haut. L'aubra, l'aubra, vieille terre dénudée, vieille terre de France, qu'il soit gris, qu'il soit bleu, ton ciel semble si bas, que je suis resté là, meurtri par ta présence, l'âme dénudée en doutait de moi. L'aubra, l'aubra.